Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Joyeux Noël, si vous voyez cette vidéo à Noël. J'espère que vous la voyez pas à Noël et que vous avez mieux à faire, mais bref. Du coup, je suis un peu gênée, je suis un peu... Mon imposteur syndrome est violent aujourd'hui. Parce que il y a quelques mois, semaines, je sais plus, bref. J'avais dit que j'avais envie, pour l'année 2023, de relire tous les Murakami dans l'ordre chronologique, et il y en avait certaines d'entre vous qui étaient intéressés pour faire un petit buddy read. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour genre dire qu'est-ce que je vais lire à quel moment, comme ça si ça vous intéresse vous pouvez lire en même temps que moi. Je me suis rendu compte en prévoyant la vidéo dans ma tête qu'en fait c'est un peu le concept d'un book club, mais j'ai pas envie d'appeler ça un book club parce que ça rendrait le truc un peu trop officiel, et je préfère me dire que juste je fais ça, et s'il y en a qui veulent faire avec moi, vous pouvez, mais parce que si personne le fait avec moi, ce sera un peu gênant. Donc voilà, donc j'ai pas trop préparé, la seule chose que j'ai fait, voilà, normalement, si je fais bien mon travail, ça apparaît. J'ai juste fait, j'ai ma petite liste de tous les Murakami, en sachant que du coup, j'ai omis tous les non-fictions, type underground, de la musique ou le livre avec son père, abandonner un chat, bref tous les trucs comme ça je les ai pas mis, et j'ai aussi pas mis tous les recueils de nouvelles et les petites éditions où il y a juste une nouvelle dedans. Ici on a vraiment, si je me trompe pas, j'espère que je me suis pas trompée, que j'ai tout mis, tous ces full romans, ce qui fait que on arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 en théorie, mais pas vraiment, parce que déjà celui-ci c'est 1Q84, donc il y a 3 tomes, et après le meurtre du commandeur, il y en a 2. Donc en réalité on arrive à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, on arrive à 16. Et si je me souviens bien, il y a combien de mois dans une année? 12, c'est bien. Donc j'ai fait un petit peu marcher mon cerveau et je me suis dit que ce que j'allais faire, du coup, c'est tout d'abord janvier. On va commencer avec le commencement, bien évidemment, Écoute le chant du vent et Flipper 1973, qui est déjà deux romans en un, mais ils sont dans la même édition, donc ça pose pas vraiment problème. Mais du coup, je me suis dit que en janvier, j'allais lire celui-ci et aussi La course du mouton sauvage, parce que c'est un peu la suite des deux premiers, donc je me suis dit qu'on pouvait les lire ensemble. Les deux sont d'une longueur assez raisonnable, je pense. Bref, ça se fait en un mois. Donc janvier, on aura ces deux-là. Attendez, je vais faire un truc. Ensuite, pour février, bon, c'est plus simple, ce sera donc La fin des temps de façon chronologique. Mars ensuite, ce sera La balade de l'impossible. Avril, ce sera Danse danse danse, que je n'ai pas encore lu, donc lui ce sera pas une relecture, ce sera la première fois que je le lis. Ensuite mai, au sud de l'ouest du soleil. Jusqu'à maintenant je disais que c'était mon préféré de Murakami, mais je pense qu'il se débat un peu avec Les Amants de Spoutnik. Je crois qu'il est en train de prendre le dessus. Mais la dernière fois, je réfléchissais à ça et je me disais, même si Murakami, je pense qu'on peut considérer, étant donné que j'ai lu toute sa bibliographie, que c'est mon auteur préféré, je crois que même mon préféré de Murakami rentre même pas dans mon top 5 de mes livres préférés de tous les temps. Parce que je sais pas, Murakari, c'est... Murakari. Murakami, c'est plus une vibe, quoi. Je sais pas comment dire, mais genre... voilà, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Désolée, il y a des pigeons qui sont en train de danser à ma fenêtre. C'est très drôle. Enfin, danser, genre, ils se tournent autour. C'est super drôle. Bref. Donc, mai, au sud de la frontière à l'ouest du soleil. Juin, on a un gros bébé avec les chroniques de l'oiseau à ressort. Mais bon, vas-y, ce sera le début de l'été, on est l'éther. Ensuite, du coup, juillet, Les Amants de Spoutnik. En plus, c'est cool parce que Les Amants de Spoutnik, ça se passe en Grèce et tout. Bonne ambiance, c'est bien pour juillet. Ensuite, août,
Kafka sur le rivage. Ensuite, septembre, le passage de la nuit. Et je vous avoue, quand j'ai fait la liste, je me suis rendu compte que je crois que j'ai zéro souvenir de celui-ci. Comme on va pas se mentir, les Murakami, ils ont tous un peu la même ambiance, le même mood, les mêmes types de personnages et tout. J'avoue que les histoires se mélangent beaucoup dans ma tête. Et après, j'étais là, mais attends, le passage de la nuit, il se passe quoi dans celui-ci? C'est pas celui où on suit une meuf qui tient un love hotel ou un truc comme ça. Il y a des yakuza et tout. Il y a aussi quelqu'un qui dort dans une chambre et qui se fait observer. Je crois que c'est celui-ci, mais je suis pas sûre du tout. Bref. Ensuite, du coup, on arrive à octobre avec les 1Q84. Et je crois que bah, on n'a pas d'autre choix que de les mettre tous dans le même mois. Quand je les ai lus pour la première fois, je les ai pas du tout enchaînés. Je les ai étalés sur beaucoup de temps. Mais je pense que ça peut être une vibe aussi de les enchaîner. Et franchement, entre les 1Q84 et Kafka sur le rivage, c'est ceux que j'ai le plus hâte de relire parce que c'est ceux où je trouve le world building, il est le mieux développé et tout. Et genre, j'ai trop hâte de me réimmerger dans cet univers. Donc genre, ce sera cool octobre, même si, bon, il va falloir charbonner parce que je sais pas combien il fait en tout. Ça doit dépasser les plus de 1000, si c'est pas 1500 pages en tout avec les 3 tomes. Bref, ensuite novembre, ce sera plus chill avec l'incolore Tsukuru Tadaki et ses années de pèlerinage, qui est beaucoup plus court, donc ce sera plus chill pour nous remettre de la trilogie. Et ensuite décembre, on aura donc le meurtre du commandeur, qui est en 2 tomes, mais franchement, je trouve qu'il s'était lu super facilement. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème de ce côté-là, voilà. Le plus gros challenge, ce sera octobre. Mais après, je me dis, voilà, avant, on a le passage de la nuit qui est grave court. Donc peut-être que je prendrai un peu d'avance et que je commencerai déjà en septembre le premier tome de 1Q84. En tout cas, voilà, c'est comme ça que ça va s'organiser mon année. J'espère, maintenant que je fais cette vidéo, je suis obligée de le faire. Je suis obligée, maintenant je l'ai dit. Et du coup, ce que je pensais faire, c'est chaque mois faire un vlog où je suivrai ma lecture. Je vais essayer de faire un peu détaillé parce que c'est le but. Ça sert à rien de juste vous faire une review à la fin parce que je les ai déjà lus. Le but, c'est plus de voir qu'est-ce que j'en retire au fil de ma lecture. Et surtout, on va pas se mentir, au début, quand j'ai commencé à lire Murakami, j'étais pas encore très... Je sais pas, j'étais pas encore assez critique peut-être, et c'est que après que j'ai commencé à me rendre compte de tout ce qu'on dit sur lui, sur le fait que ses personnages féminins, voilà quoi, des fois il écrit des trucs, ça se voit que c'est pas une femme quoi, clairement, des trucs un petit peu problématiques et tout, et du coup j'ai un peu peur là en relisant d'être très cringe à certains moments et de du coup perdre un peu la magie, je sais pas, mais bref, en tout cas que... Il descend un peu de son piédestal pour moi, Murakami. Même si, bon, je m'en rendais compte jusqu'à un certain point quand même. Des fois, il y a des trucs, j'étais en mode... Pas sûr que ça marche comme ça, le corps d'une femme. Mais j'ai peur que ce soit encore plus exacerbé là avec ses relectures. Mais c'est ça qui peut être drôle aussi. Donc, grave hâte. Et voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Je vais essayer, en même temps que je monte cette vidéo, de faire un petit calendrier tout propre et tout, et de l'afficher. Je sais pas, est-ce que juste on se dit, je publie les vlogs et que vous, si vous le faites en même temps que moi, vous mettez vos impressions en commentaire. Vous pouvez me suivre sur Instagram aussi, peut-être que je ferai des updates, et je pense que je mettrai le calendrier dessus, comme ça vous pourrez l'avoir aussi. Voilà. C'était moi qui jouais aux apprentis youtubeuses. J'espère que si vous êtes encore là, c'est que vous êtes déterré à le faire avec moi. Je ne sais pas. Vraiment, je n'arrive pas à juste me dire qu'il y a des gens qui me regardent encore actuellement. Mais bref. Voilà. C'est tout. C'était rapide. Et hâte. Hâte de commencer l'année avec toutes ces bonnes lectures. Et je vais m'arrêter de parler maintenant. Voilà, ça suffit. Allez, à la prochaine. Et encore joyeux Noël. Bisous.